me suis un petit shaker avec ça, Zero Recovery, My Protein avec Aerox. Pour bien récupérer de ma séance, j'ai fait une séance d'eau à M-Gym, très bonne salle. C'est une salle, si tu veux, entre le haut de gamme et le old school. L'ambiance, elle est entre les deux. Les machines sont haut de gamme. Il y a des machines old school avec de la mousse qui sort des machines et tout. Toutes les musiques, c'est des musiques old school et c'est vraiment incroyable. La salle, elle est clean. Il n'y a pas beaucoup de gens. Je peux vraiment bien m'entraîner dedans. Là, je vais faire mon travail d'ambassadeur et d'influenceur chez MyProtein. Je vais prendre les compléments que je consomme et je vais faire quelques petites vidéos pub présentation avec mon code promo en évidence. Parce que voilà, un ambassadeur, c'est ça aussi, c'est important. Et puis voilà, on va faire les choses bien. D'ailleurs, pour ceux qui vont faire une petite rentrée sportive là et que vous savez pas quel complément prendre, moi je te propose une sélection de compléments que tu peux prendre. Si tu comptes reprendre le sport dans de bonnes conditions, prendre la whey. La whey ou la clear whey protein. La whey, ce qui est bien, c'est que tu peux faire comme moi. Tu peux prendre, mixer et faire un truc cool. Prends BCA ou EAA. Acide aminé pour la récupération, c'est très important. Prends les complexes. Zinc, magnésium, oméga 3. Ça va t'aider grandement pour les articulations, pour plus de performance, brûler un peu plus de calories, être mieux, ça va te mettre bien. Prendre la créatine, plus de force, plus de gains musculaires et tu seras content de reprendre avec ça. Et si vraiment tu as besoin d'un petit pump, tu rajoutes un pré-workout. Tu prends ça et t'es bien. Et en vrai, hein, peu importe où tu prends cette sélection de produits, t'es bien. Si tu veux me soutenir, MyProtein avec le code DAMS, prends ce que tu as à prendre. Et ça, c'est cool. Et en plus, avec le code DAMS, t'as une réduction. Donc ça, c'est incroyable. Tu vois, j'aime bien mettre en avant les compléments que je consomme. C'est important. Je ne vais pas mettre en avant des choses que je ne consomme pas. Comme par exemple, j'ai fait une vidéo récemment sur ça, là. Si ça me peut bien faire le focus, Fluff Drops. Très, très bon. Ça, c'est pour donner du goût à tes aliments. Ça, c'est une dinguerie. Exemple, tu prends un yaourt sans sucre. Tu vois, yaourt sans sucre, c'est dur à manger. À part ceux qui ont un palais très, très bizarre. Mais ça... Tu mets 2 gouttes et t'es tranquille. 2 ou 3, c'était gourmand. Ça donne juste du goût. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de fat. Il n'y a rien dedans. C'est juste du goût. Ok? Et c'est super que tu sois en prise de masse. Tu veux faire une prise de masse propre. Tu veux faire une sèche sans culpabiliser. Ça te fait du bien. Fluff Drops. Moi, j'ai vanille et coco. Mais il y a 17 goûts si je ne me trompe pas. Et il faut que j'en teste d'autres là. Donc ouais, là, je vais me poser. Je vais choisir les compléments que je vais mettre en avant. Et c'est parti. On va travailler. Franchement, j'ai passé une semaine de fou, vraiment incroyable, c'était fatigant, j'ai fait pas mal de choses et je reprends la partie vlog maintenant, tu vois, je suis devant mon PC, je vois ce que j'ai fait durant cette semaine. J'avais fait des vidéos pour les compléments alimentaires de la gamme MyProtein avec Aerox. J'ai choisi d'en parler, de les mettre en avant parce que c'est une gamme de compléments qui correspond à mes objectifs et ce que je compte faire. C'est des très très bons compléments. Sur Insta, j'ai dédié 3 posts
à ces produits-là, mais je vais peut-être en parler pour le deuxième vlog parce que c'est des bons compléments et c'est intéressant de les prendre, vraiment. Donc voilà, j'ai fait des petites vidéos, faire ma story pour Instagram pour aussi montrer aux gens que le code promo DAMS existe pour ceux qui veulent soutenir. D'ailleurs, si tu veux soutenir sur MyProtein, le code DAMS, c'est important. Et puis voilà, on fait les choses bien. Juste après, on arrive au week-end. Au week-end, samedi, dimanche, je suis parti dans la salle privée et j'ai fait un petit training. Normalement, c'était pec, épaule, triceps, mais j'ai fait un peu de biceps. Toute la semaine, dans toutes mes séances, j'ai fait un peu d'exercice biceps parce que là, faut que je reprenne. Faut que je reprenne un vrai bras. C'est important, ok? Sachant qu'on va reprendre la sécurité. On va reprendre ça. J'en parlerai dans une vidéo dédiée à la sécurité. Et du coup, faut être balèze. Faut que je me prépare parce que oui, dans la semaine, j'ai un entretien et tout. J'en reparlerai pour ceux que ça intéresse au niveau de la sécurité. Mais j'essaye de faire des beaux plans. J'essaye vraiment. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu kiffes les plans, si tu kiffes l'immersion. On essaie de donner un rendu assez dark à la salle. Et puis voilà, j'ai changé des exos. Je fais du développé couché unilatéral. Je fais cet exercice-là. Il est vraiment bien. Il fait mal. Mais il va m'aider pour tous les sports que je vais pratiquer derrière. Parce que là, je suis en pleine réflexion de faire un nouveau sport cette année. Comme le footuel, ça va être compliqué. Dans tous les cas, vlog numéro 2, ça sera dédié à ça. Je vais t'en parler. Mais je suis en train de m'entraîner, de me préparer dur. Parce qu'il va se passer beaucoup de dingueries. Là, de mes séances, j'ai pas mis super lourd non plus. J'étais quasiment, on va dire, à 60% de ma charge max de travail. Dû à des douleurs et aussi dû au manque de sommeil parce que je travaille beaucoup. J'ai des tournages clients, j'ai des calls clients, je dors tard avec des montages que je dois rendre pour mes clients. Du coup, j'ai moins d'heures de sommeil et ça impacte fortement sur mon physique et ma force à la salle. Mais je continue à m'entraîner et conserver ce que j'ai parce que c'est important. Ensuite, parce que c'était samedi, le dimanche, on est reparti à la salle encore une fois. Thank you.
ensuite hier on a eu un petit entretien au sécu. On va voir si on prend le poste ou pas. On m'a proposé un bon truc. Ça a l'air pas mal, ça a l'air cool. On verra ça dans tous les cas. Je te tiendrai au courant par la suite des vlogs. Et on est retourné à M-Gym pour notre dernière séance. Là, à M-Gym, j'ai fait une séance jambes full body, mais plus axée sur les jambes parce que je compte reprendre les entraînements jambes dures, jambes lourdes, faire les choses bien. Mais pour ça, je dois réhabituer mes jambes tranquillement, petit à petit, à se faire bien mal, tu vois. Et ça commence comme ça, par des petites séances, des demi-séances, sachant que dans la semaine, j'ai fait un entraînement au Basic Fit que j'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde. Malheureusement, j'ai fait aussi les jambes. Donc là, ça m'a fait deux entraînements jambes dans la semaine. Et c'est pas mal. Bien entendu, on a fait un petit rappel dos et biceps. Le dos, j'ai envie de rattraper mon dos. Je veux un dos. Le dos, c'est esthétique de fou. Les biceps, tu connais, on va refaire la sécu. Faut qu'on soit balèze, c'est important. Donc, il me fallait une semaine de réveil biceps. Ok ? Et je pense que la semaine prochaine, on aura un petit réveil aussi biceps et on va reprendre les séances only biceps. On va reprendre ça. En tout cas, voilà pour ce bloc 1. C'est comme ça que je compte commencer la rentrée et aussi finir l'année avec des vlogs similaires, un peu plus qualitatifs de semaine en semaine. Je vais voir si je vais pas faire un vlog tous les 3 jours ou toutes les semaines. En parallèle de ces vlogs-là, il y aura des vidéos sur la sécurité, sur des sujets où je vais parler, je vais discuter. Ça va être intéressant. Mais voilà, j'ai vraiment envie de mettre mes qualités, on va dire, de vidéaste en œuvre et te fournir du bon contenu de qualité. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire, c'est important. Mets le code DAMS sur MyProtein pour soutenir cette chaîne. Parce que c'est primordial, passe par mon lien en bio. Tu vois, il y a mon lien MyProtein, tu cliques dessus, tu mets le code DAMS et là, tu es sûr que je touche un truc, ok? Je suis bien dessus. En tout cas, nous, on fait ça bien. Et je te dis à la prochaine pour la suite.